Salut amis collectionneurs! Alors aujourd'hui dimanche, ça va être une vidéo qui va être longue, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à vous présenter. Je vais vous présenter achat internet, donc Vinted, eBay, Amazon et une petite voiture que j'ai achetée. J'ai acheté où celle-ci? À Auchan. Après le reste, ça va être petite voiture du vide-grenier d'hier samedi. Et on va finir avec les petites voitures que j'ai trouvées aujourd'hui, dimanche. Et je peux vous dire déjà ce que j'ai trouvé aujourd'hui, dimanche. Je pense honnêtement que c'est l'un, voire le plus beau vide-grenier en termes de qualité que j'ai pu effectuer depuis vraiment que je fais les brocantes, quoi, honnêtement. Honnêtement, je pense. Avec une, je vais trouver plein de petites voitures majorettes fabriquées en France à 20 centimes. Je pense qu'avec cette vidéo-là, c'est les deux brocantes où j'ai trouvé les plus belles voitures. Allez, sur ce, on va commencer. Alors, on va commencer par... Voilà. Alors, ça, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Vous verrez dans une autre vidéo ce que j'ai acheté. Sauf que la personne, elle a mis une semaine avant de m'envoyer mon achat. Donc, je l'ai relancé 3-4 fois. Et pour se faire pardonner, entre parenthèses, elle m'a envoyé cette caravane. Bon, il manque les roues. J'ai voulu mettre des roues d'une épave que j'avais en voiture, mais ça passe pas en fait. Donc j'ai trouvé une comme ça en épave sur eBay. Peut-être que je vais la prendre ou pas, je sais pas. En espérant que les roues aillent. Parce qu'elle est vraiment très propre, franchement, elle est super propre. Petite caravane. Donc ça, c'est un cadeau. Donc eBay. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Auchan. Une magnifique Corvette. Alors, c'est du Hot Wheels. Moi, je fais du très rarement du Hot Wheels, surtout les modèles récents. Sauf que celle-ci, elle me plaisait. Depuis qu'elle est sortie, elle me plaisait énormément. Et je la trouvais pas, en fait. Et je l'ai trouvée cette semaine à Auchan. Donc je l'ai pris à 2,95. Et franchement, elle est magnifique, toit panoramique. Franchement, c'est une super petite Corvette. Franchement, je suis fan. Là, je peux dire que je suis fan. Bon, les feux, ils sont baissés, mais ça, en général, les Corvettes, elles sont baissées. Là, on va dire, il y a les trous, mais on voit au fond qu'il y a des petits trucs noirs. Donc on peut dire, voilà, c'est les feux. Elle a de belles jantes. La couleur, elle est nickel. Et je vous dis, ce toit panoramique-là, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, une petite Hot Wheels qui rentre encore dans la collection. Il n'y en aura pas 50 000, hein, dans ma collection, mais il y en a une. Et je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Je regarde. Normalement, il n'y en a pas d'autres. On continue avec les achats que j'ai faits sur Vinted. Et voilà, une autre petite Peugeot 604. Alors quand je l'ai prise, celle-ci, je me suis dit, je dois l'avoir. Donc en fait, j'ai la même, avec les mêmes jantes, sauf en fait la couleur rouge cerise, on peut dire ça, est plus foncée celle-ci que celle que j'ai. L'autre, elle est plus claire. Donc en fin de compte, ça me fait deux modèles différents. Très 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 bien, impeccable. Et là, elle est complète. Ça, c'est un achat Vinted et c'était un lot en fait, parce que j'ai rentré cette jolie Renault 17. Elle est magnifique, complète, pas du tout abîmée. Évidemment, c'est fabriqué en France, hein. Bon, la Peugeot 604, c'est pareil, hein, et la Caravane, c'est pareil, hein, c'est fabriqué en France aussi, hein. Mais elle est magnifique. Je l'avais, mais en version vraiment très abîmée. Là, maintenant, je la rentre en état nickel.
On va mettre comme ça parce que j'ai tellement de choses à vous présenter que je ne sais pas si tout rentrera. On va finir avec les achats internet. Donc ça, c'est un achat Amazon. Voilà, je me suis tenté par ce pack. À la base, pour une seule voiture. Voilà, la Clio Williams. Moi, je voulais la Clio Williams. J'ai vu sur Vinted que un gars vend des Clio Williams en petite boîte carrée. La première, il l'avait mis à 10 euros. Après, il mettait une Clio Williams avec une autre voiture. Sauf qu'il vendait les deux bagnoles 17 euros. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire juste la Clio Williams. Le gars me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis le tarif. Je lui demande le tarif plutôt. Et là, il me dit 14 euros la Clio Williams seule. Mais il est complètement fou, ce mec. 14 euros. Ce coffret, je suis allé sur Amazon, je l'ai payé 18 euros. Voilà. J'ai la Clio Williams et j'ai toutes les autres voitures qui vont avec. Alors bon, après, je ne vous le présente pas. Hein, enfin, je vous les présente rapidement parce que tout le monde le connaît. Donc ici, vous avez une belle Corvette. Elles sont jolies, hein, franchement, elles sont jolies. Vous avez une belle Mercedes. Une deuxième Corvette qui est très jolie. Pour moi, la moins bien, c'est cette Nissan. Je la trouve pas top. En plus, noire et blanche, comme ça. Je la trouve pas génial, génial. Et la fameuse Clio Williams. Donc voilà, ce petit coffret des années 90, des voitures des années 90, qui est vraiment top, top, top. Voilà, alors on peut voir, hein, là, c'est le coffre. Alors là, ils l'ont ouverte comme ça, le coffre. Moi, quand j'ai sorti de la boîte, donc je ne les ai pas dégrafés, hein, je les ai laissés agrafer, mais j'ai sorti de la boîte, on ne l'ouvre pas comme ça. Hein. Honnêtement, moi, j'ai pas réussi. Hein. Ou alors, j'ai peur de la péter, donc. Après, c'est les coffres, les capots moteurs. Et la Mercedes et la Clio, ben vous voyez, c'est les portières. Un très joli pack. Franchement, je suis très 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 content d'avoir rentré ce petit pack. J'en fais pas trop de packs parce que les voitures, c'est pas trop. Moi, j'aime bien voilà, les vieilles voitures majorettes. Hein. Donc maintenant, on va commencer par. Enfin, on va continuer plutôt par. Je vais vous raconter un petit peu ma vie vite fait. Donc là, je suis en train d'aménager ma pièce pour ma collection. Donc hier, je suis allé à IKEA Orléans. J'ai fait 1h20 aller, 1h20 retour. Parce que moi, où je suis à Châteauroux, il n'y a pas d'IKEA. Le seul IKEA, les deux IKEA qui existent, c'est Tours 1h40 et Orléans 1h20. Donc je suis allé à Orléans. Je me suis dit, autant aller à Orléans, autant voir ce qui se passe autour. J'ai vu qu'il y avait un vide-grenier professionnel. Déjà, quand on entend professionnel, on se dit, ça va coûter la peau du cul. Et bien, j'étais agréablement surpris parce que j'ai trouvé des petits trucs assez sympas. En état de jeu, je vous le dis, c'est en état de jeu, mais des trucs assez sympas. Et je suis après allé aussi chez Emmaüs avant d'aller chez IKEA. Où j'ai trouvé des modèles sympas, sauf qu'à Emmaüs, Orléans, ils font des pochons. Et les pochons, ça va de 3 euros à 6 euros. Moi, j'ai trouvé 3-4 voitures qui me plaisaient. Évidemment, elles étaient dans des pochons différents, chacune. Donc, j'allais pas acheter des pochons juste pour une. Donc, ben, j'ai laissé tomber, tout simplement. J'ai rien pris. Donc, je vais vous présenter les petits modèles que j'ai achetés dans ce vide-grenier professionnel à Orléans, ben, ce samedi. Alors, c'est 99% de majorette et 1% d'une autre marque. Donc, je vais vous la présenter en première. Mais elle est très très jolie. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce modèle-là. Donc, voilà. C'est une Matchbox. Bon, la personne, elle lui a fait l'effet jaune. Je pense que peut-être en. Essayer de le retirer, je ne sais pas comment pour retirer cette petite peinture. Si vous avez des petites astuces, merci de me le dire. Alors, je vous l'ouvrirai après. C'est son capot moteur qui s'ouvre. Très jolie matchbox. Donc vous voyez, c'est une matchbox. Alors je ne sais pas si on va bien voir. C'est une Ford Zodiac. Je ne connaissais pas du tout.
Donc c'est une ancienne. Elle est encore belle hein, au niveau de la peinture. Elle est un peu voilà, perdue à certains endroits, mais elle est très très belle. Et surtout, surtout ce qui est cool, c'est qu'elle a sa roue de secours. J'ai vu dans les certains groupes, certains forums, enfin certains trucs sur Internet, qui disaient que c'était la roue de secours qui manquait beaucoup. Et là, elle y est. Donc, impeccable. Une Ford Zodiac. Je connaissais pas du tout. Et elle est très très belle. En plus, tout en métal. Hein. Les Anglais à l'époque, ils faisaient tout en métal. On continue avec cette petite Renault 16. Ouais, c'est Renault 16. Taxi à la base, donc bon. Maintenant, elle est vraiment bien, elle a bien joué celle-ci. Il y a son petit personnage au volant, son petit client. Bon, les carreaux sont un peu ternes. Mais j'ai pas de Renault 18, enfin de Renault 16, donc je l'ai pris. Alors, ce lot-là, là, je l'ai payé 2 euros pour 5 ou 6 voitures, je ne me rappelle plus. Une Ford Sierra. Bon, elle est dans un état, voilà. Hein. Et j'ai pas vu quand je l'ai acheté, c'est qu'elle a le toit qui est tordu. Bon, bah ça va finir en épave, hein, tout simplement. Hop là. Je vais vous présenter une petite Datsun. Alors celle-ci, je crois que je l'ai. J'avais un gros doute, mais je pense qu'elle est dans ma caisse. C'est dans les, enfin, les propres. Elle a bien joué, hein, bien sûr, mais bon, c'est une Made in France. Et Datsun, c'est vraiment des très jolies voitures. Le vitrage est pas mal. L'intérieur est bien blanc. Donc je pense que ça pourra servir le jour où je me lancerai dans les customisations. Je pense que ça peut faire une très belle base. Voilà, j'aimerais bien faire des couleurs un peu flashy, un peu des années 70. Donc, pour ça, il faut acheter une perceuse pour enlever les rivets et tout ça, quoi. Il faudrait que j'achète tous ces trucs-là. Mais bon, j'ai tellement de choses à acheter que c'est un peu compliqué. Allez. Un petit camion Bernard, ben ça c'est pareil. Des camions Bernard j'en trouve, mais je trouve pas de remorque. Donc j'aimerais bien trouver des remorques aussi, mais j'en trouve pas. Donc camion Bernard, je vous présente rapidement. Je vais vous présenter allez, celle-ci. Une Saab Turbo. Je suis content parce que celle-ci, j'ai failli l'acheter sur Vinted. Et là, je l'ai trouvée. Est dans un état très bien. Pour moi, elle est très bien. Le vitrage est nickel. Elle est super. Elle est très blanche à l'intérieur. Et je l'avais pas en noir. Très belle Saab. Et évidemment, fabriquée en France. Voilà. Je vais vous présenter une autre. Allez. Une petite Fiat Ritmo. Fabriqué en France, dans un état de jeu bien prononcé aussi, mais bon, pas cassé. Hop, en ouvrant, c'est le coffre. Il y a quoi dans le coffre? Il y a une raquette et un truc de golf. Non, on va pas trop bien si on va voir comme ça. Voilà, un petit état de jeu assez sympathique tout de même. Allez, celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci en premier. Un petit fourgon van Magic Circus. En état de jeu, mais la publicité est très propre. Pas abîmée. Ah là, c'est deux portes. Alors, ces deux portes, elles étaient enfoncées de l'autre côté. Il y avait un bordel dedans. Il y avait des têtes de Lego. Donc j'ai tout dégagé, j'ai réussi à s'encasser, à remettre les portes correctement. Je suis content. Et en plus, c'est une fabriquée en France. Donc très 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 bien. Impeccable.
Ça remplit la collection des vannes. Une Alpine A380, A310, excusez-moi. Et bien ça, j'en avais pas du tout. C'est la première que je rentre. Alors, elle est dans un état de jeu prononcé, mais pour 20 centimes, honnêtement, je l'ai prise. En attendant d'avoir plus propre, et ben, elle fera l'affaire. Parce que ça, c'est vrai que j'en avais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez hop. Une petite Renault 5 rouge. Évidemment, il lui manque les rétros et l'antenne. Mais bon, ça, on sait que ça manque souvent sur les petites majorettes dans cet état-là. Donc, à la base, elle était rouge. Donc ça c'est pareil, je pense que ça peut faire une très belle custom. Évidemment, fabriqué en France. Hein. Donc très jolie petite Renault 5. On va continuer avec un Ford Transit Racing Service. Propre, hein. Quelques éclats de peinture, mais très propre. Ça, son dessin avec la moto. Moi, il y a quelques semaines, j'ai rentré une remorque avec des petites motos. Et ben, je pense que je vais la mettre dessus, sur son attelage. Vu que c'est une voiture de service d'une écurie de moto, donc ça sera très bien. Et c'est pareil, fabriqué en France. Nickel, nickel. Je vais vous présenter un modèle que j'affectionne. Donc vous savez de quoi je parle, mais c'est une teinte que je n'avais pas du tout. Enfin, après, il y a tellement de trucs différents que on ne se rappelle plus trop. Mais cette couleur-là, je sais que je ne l'avais pas du tout. Donc voilà, vous voyez ce petit pick-up Dodge. En plus, elle a ses roues, elle a son antenne qui est extrêmement longue, mais elle a une super couleur. Donc en fait, c'est cette couleur-là que j'ai pas moi. Que j'ai pas du tout. Fabriqué en France, bien sûr. Donc très 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 chouette. Et on va finir par pour moi ce qui est la plus belle de toutes. Pareil, payé 20 centimes. Et ce qui est marrant, c'est que je vous la présente alors. Voilà, cette jolie petite Diane avec son pare-buffle. Sa roue secours, son jerrycan, sa toile, elle est juste un peu ici, tordue, enfin enfoncée, mais bon, ça passe, hein. Donc celle-ci, je l'ai payée 20 centimes, en sachant que en me promenant dans ce fameux vide-grenier professionnel, il y avait un exposant qui avait la même, sauf elle était pareille, hein, franchement la même couleur, il y avait tout, hein. Sauf qu'ici, c'était pas un peu aplati, mais lui il la vendait 5 euros. Alors moi j'ai pas prise parce que je me suis dit 5 euros, j'en ai trouvé une à 20 centimes. Mais après j'ai regretté parce que je me suis dit j'aurais pu la prendre, revendre celle-ci peut-être aller 2 euros, et en fait elle me serait revenue à 3 euros. Je sais pas si j'ai raté le coche ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, après j'avais pas envie de refaire demi-tour, j'avais quand même. Il y avait quand même 15 km entre ce vide-grenier professionnel et Ikea. Dans le centre de Châteauroux, d'Orléans, c'était en plus. Bon, j'avais pas envie de refaire la route en marche arrière, donc j'y suis pas retourné. Et en fin de compte, celle-ci, elle me convient très bien. Pour mettre dans la vitrine, ça ira très très bien. Elle est complète, comme je vous dis. Donc, elle fera le boulot. Voilà les amis, donc ça c'est les présentations des achats internet et achats du vide-grenier de samedi. Maintenant je vais vous présenter mon achat de ce dimanche. Et bien les amis, quand je les regarde là, je me dis, et je vous dirai les tarifs, hein, parce que les tarifs je les ai en tête bien sûr, que j'ai fait vraiment une très belle
très belle affaire, franchement. J'ai fait trois vide-greniers. Le premier, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé tout au deuxième. Et sur la route, il y avait un troisième. J'y suis allé, l'autre, il vendait un 4x4 ambulance, là, comme on trouve souvent. Il la vendait 2 euros, la voiture. Elle était dans un état de jeu prononcé, quand même. Hein. 2 euros, alors que tout ce que je vais vous présenter, là, il y en a 22, si je dis pas de bêtises. J'ai payé 17 euros. Donc voilà. Et quand vous allez voir dans les états, j'ai acheté à deux personnes différentes. Je vais vous montrer le deuxième lot que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, le plus beau lot, c'est le lot numéro 1 que j'ai trouvé. C'est le premier exposant. Donc je vais vous présenter le deuxième lot. J'ai acheté 4 petites voitures pour 2 euros. Alors, il y a trois majorettes et une non-majorette. Je vais vous présenter la non-majorette, même si pour moi elle fait partie des. Ah, elle est belle. Je l'aurais pas mis en quatrième position, mais bon. Voilà. C'est une Corgi. J'ai très peu de Corgi. Elle est magnifique. Franchement. C'est une Corgi Junior et c'est une Gents Interceptor. Donc ça c'est parce que j'ai pas ça à la lingette. Et elle est magnifique, franchement, c'est une super petite voiture. Intérieur jaune éclatant. Je connaissais pas du tout. Hop. Hop, là, je vous le mets comme ça. Évidemment, elle est en état de jeu, hein, elle a joué, hein, c'est un jouet, hein, comme on dit toujours, hein, à la base c'est des jouets, hein, c'est fait pour les enfants. Mais elle est magnifique, franchement, super contente. Donc, ça fait partie de ce lot de 4 voitures à 2 euros. La première. La deuxième, j'ai déjà ce modèle-là, sauf c'est la couleur que j'avais pas. La fameuse BMW. 3 litres CSI, fabriqué en France. Bon, je vous l'accorde, la couleur d'origine, elle n'a plus beaucoup. Elle était jaune, mais elle devait être vraiment très très belle en jaune. Donc, et ça aussi, ça c'est une très bonne base quand je vais me lancer dans la custom. Et en fin de compte, je pense que je la ferai aussi en jaune. Parce qu'elle devait être très très belle en état neuf. Voilà, on vous dit hein, 50 centimes, parce que 4 à 2 euros, ça fait 50 centimes pièce. Le vitrage n'est pas cassé. Franchement, elle est nickel. Hein. Les portières s'ouvrent très bien, l'intérieur c'est très propre. On laisse pas passer. Hein. Enfin, moi je laisse pas passer, et vous non plus, hein, j'imagine. Donc, la troisième. Mais voilà, après avoir trouvé une petite Renault 5 le samedi, j'en trouve une ce dimanche avec ses deux rétros, son antenne, dans un vert pomme plus que mignon. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ouvrant sur ça. Elle est nickel, franchement, elle est géniale. Celle-là, les anciennes roues, si je dis pas de bêtises. Parce que celle-ci, voilà, les roues à trois bâtons. Donc super sympa, super content. Toujours pareil, hein, 50 centimes. Hein. Et la dernière, voilà, la dernière, quand je l'ai vue, j'ai pris dans la main directe. Donc voilà, je vous la présente. La Renault 17 en bleu. Pas de casse. En général, c'est les abats ici, c'est un peu abîmé. Ou la calandre. Là, pas du tout. Elle a joué, hein. Elle est dans un état de jeu, c'est sûr, hein. Elle n'est pas nickel de chez nickel. Hein. Mais voilà. Donc je suis content. Ben, voilà. En plus, c'est pas du tout les mêmes publicités. Donc je suis super content. Son petit défaut, on peut dire, voilà. En fait, c'est là où c'est vraiment corrosé. Enfin, je sais pas comment on dit. En fait, ça a pris le calcaire, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Fabriqué en France. Elle est trop belle.
Donc aussi 50 centimes. Ces quatre petits modèles-là, 50 centimes pièce. Donc 2 euros. Et le pire, c'est que le monsieur, il me dit, ah, il me dit, vous serez arrivé plus tôt, il y a un monsieur qui est venu, il m'en a pris 10. Mais il a laissé ça, quoi. Au moins ces deux-là, quoi. Soit c'est un collectionneur, et comme tous les collectionneurs qui se respectent, on va dire, eh ben il avait les modèles chez lui, et il s'est dit, ben, je les laisse pour un autre. Alors moi, je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que dans le deuxième lot, j'ai pas laissé de modèles identiques. Je les ai pris. Mais quand je les vois, j'ai eu raison parce que, alors, je sais pas si c'est la luminosité ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a un rouge qui est un peu différent que l'autre de l'autre. Mais bon. Donc voilà, les amis, ces quatre petits modèles-là, c'était le premier lot à 2 euros de ce dimanche. Maintenant, je vais vous présenter ce fameux lot que j'ai trouvé à... Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pour 18 euros. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je me suis trompé. 18 et 2, 20 euros. C'était 20 euros ce dimanche, j'ai dépensé 20 euros. Je sais pas pourquoi je vous ai dit. Ah oui, parce que je suis venu deux fois en fait à au premier. Je suis allé au premier, bah, la première fois. Je me suis baladé, j'ai trouvé ces modèles-là en deuxième. Et je suis revenu au premier pour le prendre cinq autres modèles. Que j'hésitais. Et en fin de compte, j'ai très bien fait de les prendre parce que y a des variantes en fait. Donc, je vais vous présenter ce très beau premier lot. Et là, je vous dis, c'est un lot de choix, de premier choix. Je pense que personne. J'étais le premier à passer dans son stand, pourtant il était quand même 9h45, un truc comme ça. Alors je vais vous présenter. Donc il y a de la majorette. Et il y a deux modèles non majorettes. Enfin trois modèles non majorettes. Dont un modèle. C'est la première fois que j'en ai cette marque-là. Je vous la présenter en première. Voilà. Cette magnifique voiture dans un état, regardez comment elles sont propres. Je lui ai dit au vendeur, hein, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, ah, mais dit, vous revenez, quand je suis revenu donc une deuxième fois, je lui ai dit, ouais, j'ai dit, elles sont tellement propres, et 1 euro pièce, quoi. Regardez-moi la finition. Et ça, c'est une Tomica. Et c'est comme modèle, c'est une Nissan Fairlady Z300ZX. Voilà. Elle a des ouvrants, c'est ses portières. C'est du Made in Japon, donc fabriqué au Japon. Elle est magnifique. Je sais que toi, Laurent, tu faisais beaucoup les Tomica. Et bien moi, c'est la première que je rentre, Tomica. Et elle est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et ça, c'est que le début, les amis. C'est que le début. Honnêtement, je ne sais même pas si tout va rentrer. Tout va rentrer dans. Je vais essayer de les serrer pour vous faire un peu de place. Parce que j'aimerais bien que tout rentre dans. J'ai pas encore de table, ça c'est un peu chiant. Je vais même le plus petit à petit. Hein. Donc maintenant je vais vous présenter les deux autres modèles qui ne sont pas majorettes. Ce magnifique Mercedes. Vous avez pu reconnaître les roues de châssis cul. Airport service. Dans un état aussi, mais plus que neuf. Hein. Ça sort de la boîte presque. Hein. Regardez-moi le vitrage, il est même pas rayé. Pareil, 1 euro. Les ouvrants, c'est les portes arrière. Le mec, quand il m'a dit 1 euro, j'ai halluciné. Honnêtement, j'ai halluciné. Donc c'est un Mercedes 208.
Il faisait du 115 km/h. Très très sympa. Franchement, super content de le rentrer celui-ci. Hop. Donc on reste pour le deuxième modèle chez CQ avec cette magnifique Mercedes. Pareil, regardez dans son état. Elle est nickel. Son seul défaut, c'est ses portes. Vous voyez, ses portes, il y a du jeu maintenant. Donc il n'y a plus le système qui tient les portes. Mais bon, pour dans la vitrine, ça ira très bien. Ces petits trous à flanc blanc là, CQ, c'est vraiment génial. Pareil, le vitrage, il est nickel, quoi. L'intérieur, regardez. Rouge avec le volant noir, c'est magnifique, hein. CQ, il vient vraiment des très 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 belles choses, hein. Et ça, c'est une Mercedes-Benz 500 SEC, fabriquée en Allemagne. Et elle faisait du 225 km/h. Tout est marqué là, mais je pense pas que vous allez bien, enfin vous n'allez pas voir. Mais voilà, magnifique. 1 € aussi. 1 €. Je reviens pas, franchement. Je vous dis, ce vide-grenier du dimanche, ça a été, allez, même pour moi, c'est même le plus beau des vide-greniers en termes de tarifs et de qualité des objets. Parce que vous allez voir, elles sont plus belles les unes que les autres, quoi. C'est incroyable, hein. Alors j'ai 2 majorettes qui ne sont pas fabriquées en France. Je les ai prises parce que, comme vous savez, moi j'essaye de faire que les fabriquer en France, sauf les modèles que j'ai eu quand j'étais jeune avec mon frère. Et celle-ci, je l'ai eue. Cette Impala de la police, et regardez son état. Je le répète, bon, elle a des petits éclats ici, mais regardez-moi son état. Son bleu intérieur est nickel. La portière va pas se fermer. Hop là, voilà. Donc vous voyez, c'est caché, donc c'est pas fabriqué en France. Mais voilà, j'ai eu des Impala avec mon frère de la police et on a joué énormément avec. Énormément avec, on a joué. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Bah tenez, je vais vous présenter. Donc j'ai dit une bêtise, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Non fabriqués, enfin pas fabriqués en France. Mais celle-ci, je l'ai prise aussi parce que c'est un modèle qui était très très propre, évidemment, et complet, bien sûr. Voilà, ce Cherokee avec ses 2 planches de surf. Regardez-moi cet état. Elle a un petit éclat ici, minuscule. Je crois que c'est ça qui s'ouvre. Ouais, je ne vais pas forcer parce que j'ai pas envie de la casser, mais vous voyez tellement que ça n'a pas été joué. Enfin, ça n'a pas joué, quoi. C'est encore. Voilà. Mais elle est magnifique. Très très belle. Avec ces 2 planches roses là, qui ressortent très bien. Franchement. Et je me le répète, 1 € les amis. 1 €. Que demander de plus? Je vais vous présenter un modèle que je vous ai déjà présenté, que j'ai trouvé dans le vide-grenier du samedi. Mais là, je l'ai prise parce qu'elle est dans un état flamboyante, quoi. La Ritmo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Incroyable, moi je le dis encore incroyable. J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas, tout simplement, j'en reviens pas. Alors les amis, je refais une information. Il n'y a pas 3 modèles qui sont pas fabriqués en France, il y en a 4. Excusez-moi. Donc il y en a 4. Je vous présente celle-ci. Pareil, dans un état complet, elle est magnifique, les amis. Cette Lamborghini, regardez-moi ça. Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas abîmée. Et encore, je me le répète, les amis, 1 euro. Un truc de malade, un truc.
Pourtant, c'était un vide-grenier que je voulais pas faire. C'était un vide-grenier qui était à 45 minutes de chez moi. Et j'essaie d'éviter maintenant de faire trop de kilomètres parce que ça me coûte un pognon monstre en carburant. Et à force, pas forcément rentable, quoi. Alors je me balade, c'est vrai, je découvre la région de Châteauroux et les alentours. C'est vrai, c'est cool. Parce que c'est une très jolie région. Franchement, il y a des trucs là où j'étais là. C'était dans un parc d'un château. C'était magnifique. Franchement, magnifique. Donc je me balade, c'est vrai. Mais le plein d'essence. Hein, parce que moi, j'ai un essence. J'ai fait la connerie d'acheter un essence, d'acheter un gasoil. Mais bon, à l'époque, ils disaient, hein, il y a 2 ans de ça, les gasoils, ça allait plus rouler, ça allait coûter bien plus cher que l'essence, donc je me suis fait couillonner. Enfin bref, je vous raconte encore un peu ma vie. Maintenant, je vais vous présenter une magnifique Mercedes 450 SE, pareil, dans un état flamboyant. Regardez-moi cette beauté. Et évidemment, la maladie de cette petite voiture qui était très fragile. Mais c'est qu'elle a plus son. Elle a plus la croix, quoi. Le logo Mercedes. Mais regardez-moi ça, les jantes. Regardez-moi ça, les amis. Regardez comment c'est. Je vous dis pas le prix, parce que vous le savez, hein, je vous ai assez saoulé avec ça. Mais voilà, c'est incroyable. Franchement, je suis. Je suis. Sur le cul. Je vais vous présenter maintenant les deux modèles que j'ai achetés. Alors, comme je vous dis, les vrais collectionneurs, si les modèles qu'ils ont déjà, enfin pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein, ne prennent pas, parce qu'il faut aussi laisser pour les autres qui n'ont pas et qui, c'est peut-être un tort parce qu'il y en a plein qui vont acheter pour revendre derrière. Mais voilà, moi je trouve celle-ci, je la trouve très très belle, cette Porsche. Voilà, c'est une Porsche. Regardez-moi sur son état. Complète, hein, évidemment. Hop. Regardez-moi ça, c'est pas abîmé, ça a pas joué. Les roues, c'est. Ça, c'est une petite voiture, ça est sorti de la boîte, ça a été mis dans une vitrine et ça a plus bougé. Magnifique petite Porsche. Et sa sœur. Voilà. Alors, on voit peut-être pas trop la différence sur la caméra du téléphone, mais excusez-moi, hein, je regarde comme ça. Alors, quand vous la regardez sans objectif, sans rien, j'ai l'impression que celle-là, elle est un peu plus foncée que celle-ci. Là en vidéo, elle ressemble un peu pareil, le rouge, mais celle-ci, ouais, celle-ci, elle fait. Là, je la regarde. Là, vous la voyez, donc vous, à la caméra, bien sûr. Moi, je la regarde sans caméra. Et celle-ci, je la vois un peu plus claire. Alors, est-ce que c'est moi ou pas? Mais celle-ci, je la vois un peu plus claire. Encore là, hein, c'est pareil, je vous dis le tarif. Hein. On prend sans chercher midi à 14h. Je vais vous présenter maintenant ce modèle-là, je l'ai aussi, mais pas dans un état aussi magnifique. Alors, je ne sais pas si je l'ai en cette couleur-là ou si je l'ai en marron. Je crois que je l'ai en marron, mais je ne l'ai pas en verte. Voilà. C'est magnifique. Cherokee, fabriqué en France. Avec le petit toutou, le haillon. Je n'ose même pas l'ouvrir tellement que ça a l'air d'être. Pareil, c'est neuf, quoi. Ça a jamais joué, les roues, ça a jamais roulé. Voilà. Dedans, c'est un blanc, mais nacré, incroyable. Franchement, super génial. Super génial. Le plus belle pour. Enfin, je vais vous présenter maintenant. Alors, après, j'ai acheté un lot, c'était du Air France. Et en fait, c'est quand je suis revenu la deuxième fois chez ce vendeur-là. Donc, je vais vous présenter les 5 modèles que j'ai achetés en revenant à la deuxième fois. Alors, le premier, un camion Savienne. Pareil, regardez comme il est propre. Les autocollants, ils sont super propres. Il est complet.
Il y a juste là une petite tache ici, mais bon. Donc il y avait ce camion-là. Et il y avait ce camion ici. Sauf que moi, j'ai pas vu au début. C'est donc celui-là, c'est un Saviem. Et celui-là, c'est un Mercedes. Moi, je l'ai pris au début parce qu'en fait, il y avait ça. Et que dans l'autre, il n'y est pas. Donc je me dis, oh, c'est une variante et tout. Et je ne sais pas si les roues, c'est les mêmes. Si les roues, c'est les mêmes. Ouais, c'est les... Non, c'est pas les mêmes. Non, non, c'est pas les mêmes, les roues. Regardez, c'est pas du tout les mêmes roues. Bref. Au début, moi, je pensais que c'était ça, la variante. Et c'est en rentrant à la maison que j'ai vu que c'était un Mercedes et non un Saviem. Pareil, regardez, hein, Air France est très propre. Il est complet. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que, bon, comme je vous dis, ça va pas jouer. Donc, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà. Après, donc ça c'était quand je suis venu une deuxième fois, donc il reste encore trois modèles. Donc je vais vous présenter celui qui n'est pas fabriqué en France. Voilà, ce petit bus Air France, pareil, dans un état nickel chrome. Là, les petits personnages, ils sont bleus à l'intérieur. Donc le pilote et les voyageurs. Vous pouvez voir que bah, ça a été caché là, fabriqué en France. Donc c'est pas un fabriqué France. Regardez bien les roues, parce que il y a un deuxième. Donc vous voyez, les roues, c'est pas les mêmes. Les petits personnages, conducteurs, voyageurs, ils sont marrons. Pareil, dans un état magnifique. Celui-là, fabriqué en France. Et comme on dit, jamais deux sans trois. Le troisième avec encore des roues différentes. Là, les petits personnages, ils sont encore marrons. Air France, nickel, hein, la carrosserie est propre. Franchement, pour dire ce dernier mode, ce dernier lot là, là à 1 euro pièce, je les ai même pas nettoyés tellement qu'ils sont propres. Hein. Et les roues sont différentes, bien sûr. Et celui-là aussi, c'est un fabriqué en France. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, trois roues différentes, une fabriquée en France, enfin deux fabriquées en France, une non fabriquée en France, fabriquée non, enfin non fabriquée en France, personnage bleu, fabriquée en France, personnage marron. Donc ça fait des petites variantes. Alors j'en ai un, je crois, un bus comme ça, donc je vais m'en séparer, hein, bien sûr. Je m'en séparerai. Pour moi, c'est un très beau modèle que j'avais pas du tout. Ou si j'en ai un, je crois qu'il est en pas bon état, mais il n'est pas de cette couleur-là. Cette dépanneuse qui est magnifique, complète. D'un orange magnifique. La dépanneuse fabriquée en France, complète. Ces deux crochets, pareil, c'est propre. C'est... Ça n'a pas joué, comme je vous dis encore, ça n'a pas joué. Tout ça pour, enfin, 1 euro, quoi, c'est... Je pense que j'aurais jamais dit autant 1 euro dans une vidéo. Maintenant, les amis, je vais vous présenter ben, le dernier modèle. Pour moi, de ce lot, hein, je parle, c'est le plus joli. Et dans un état, mais pareil, magnifique. Cette 4L Air France. Regardez-moi ça, elle n'a pas un pet. Les jantes, elles sont magnifiques. Fabriquées en France. C'est vraiment... Pff, voilà. Voilà les amis. Hein. Ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. J'ai rien oublié. Donc voilà mes amis. Mes petits achats internet, mes petits achats du samedi et mes petits achats du dimanche. Franchement, je suis plus que ravi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les modèles présentés vous ont plu aussi. Je pense connaître un peu la réponse, mais bon. Donc laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. La chaîne, elle monte bien. Hein. On est à 530 abonnés. Vendredi 22, je reçois mes bibliothèques Billy.
Donc, il faudra que je les monte, bien sûr. Je pense que je vous ferai une vidéo de mon coin collection pour la fin du mois. Parce que samedi prochain, moi, je travaille. Donc, je ne pourrai pas ranger dans mes étagères et tout ça, dans mes vitrines. Et je vais prendre mon temps pour ranger, parce que je veux que ce soit bien rangé. Faut que je, voilà, je prends mon temps, je ne veux pas faire ça à la va-vite. Donc dimanche prochain, je vais faire un très, il y a un gros gros vide-grenier prévu pas très loin de chez moi. Donc ce sera le seul, parce qu'ils disent maximum 300 exposants. Déjà si on a 200, ça sera déjà très très bien. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un des plus gros vide-greniers de l'année. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura des belles affaires à faire, hein. Au contraire, hein, des fois c'est pas du tout le cas. Mais bon, j'irai faire un tour quand même. Il me reste du budget pour mes vide-greniers. Donc dimanche matin je fais ça. Dimanche matin après-midi je range ma collection dans les vitrines et dans les bibliothèques Billy. Je ferai une vidéo et je pense que vous la verrez pour la fin du mois. Il va aussi avoir, parce que j'attends, j'en ai reçu déjà un paquet là. Enfin, j'ai reçu déjà 1, 2, 3, 4. 4, il m'en manque encore 2, je crois, 2 ou 3. Et je ferai une vidéo spéciale bus que j'ai pas pu encore faire parce que j'attends bah, des choses. Donc, et je vais vous faire une vidéo unique en fait. Je vais pas vous faire plusieurs petites vidéos. Donc, j'attends de tout avoir. Et quand j'aurai tout, bah, je vous ferai cette vidéo là qui sera 100% bus. Voilà. Ben c'est tout les amis. J'espère que vous avez fait un très bon vide-grenier. La vidéo, elle est déjà à 47 minutes. Je savais qu'elle allait être longue celle-ci, mais bon. Voilà les amis, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vos vide-greniers ont été aussi cool que le mien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et ben, je vous dis à très bientôt dans les commentaires et passez un bon dimanche, les amis. Allez, ciao, ciao!